السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعود نشرح الأنواع ديال الطماطم اللي أنا زرعها ديال المطيشة اللي زرعها، وغادي نقول لكم تقريبا كل حاجة منها شحال مثلا كتقدر توزن، والخصائص ديالها، وربما حتى لوريجين ديالها. وفي نفس الوقت غنهضر بالفرنساويه لبعض الاعضاء اللي هما مابونين عندي، اللي طلبوا مني باش نهضر بالفرنساويه حيت هما فرانكوفون. دونك جو في تراديغ سو كو جي دي. دونك سور سات فيديو جو في اكسبليكي لي فاريتي دو طوماط كو جي كولتيفي او بيان كو جي بلانتي سور ما تيراس، avec les caractéristiques de chaque tomate, et en même temps quelques informations sur tout ce qui est fruitier ou bien arbre que j'ai planté sur ma terrasse. Voilà, et cela selon la demande de Fred. Merci à vous Fred, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, vos encouragements. Je remercie aussi Jacob et Lily, le Chiao, Patrick, Monsieur Patrick, Olivier aussi, Angèle, Potager77, et aussi d'autres, comme par exemple Nomidia à Roulès, Mustapha Al-Kourdi, qui a normalement une chaîne en arabe, et d'autres normalement qui laissent des messages d'encouragement, de félicitations. Donc je vous remercie tous, et je vous dis, j'attends toujours vos commentaires. Désolé, j'avais une coupure, j'avais un appel téléphonique, c'est pour ça normalement qu'il y avait une coupure sur mon téléphone. Donc je continue. Donc comme j'ai dit, je remercie mes abonnés. Je remercie, normalement j'apprends beaucoup de choses de vos vidéos, de vos explications aussi sur les tomates, sur la plantation des tomates, sur la plantation en général des légumiers. J'essaierai de faire de mon mieux normalement pour améliorer ma culture, pour améliorer ce que je fais en terrasse. Et je souhaiterais que je serais d'une utilité pour tous qui souhaitent planter sur des terrasses ou bien des balcons. Voilà, donc je vais parler un petit peu en darija marocain, en dialecte marocain, avec normalement un petit peu d'arabe classique, peut-être de l'amazir, la langue aussi officielle marocaine. Voilà. Kim Makalt, ou le Kim Magalt, normalement, fait ce chiffre, je vous remercie les abonnés d'Yali, qui sont normalement qui sont très bien en France, 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 de tomates, qui sont Jacob et Lili, le Chiao Long, Patrick, Olivier, Angèle Jardin, Potavier 77, Nomidia Roulas, Mustapha Al-Kourdi, ou bzaf de les abonnés frères, les kan chkarhom, les homa qui kitbou liya. Ou inshallah, kan nitmenna inshallah, ykounou hadi vidéo li kan dir, stafdou minhom. Ghadi nbda bli variété li ana, ou l'anwa li ana gharis hna, sah. Kentmenna inshallah, ykounou l'asila dialkoum li bghi yesouni ala shi haja yesouni, comme ça, باش نقدر نجاوب معاكم. اذا غادي نبدا بلي فاريتي. عندي هاد لو كور دو بوف كيما شرحتها شحال مره، فهي هي هادي. فان شاء الله غادي نقطفها، غادي ندير لا ريكولت. جو في ريكولتي، جو في فير ان ريكولت، في ابخي نورمالمون جو في بيزي سكو جي ريكولتي بور فوار نورمالمون بون ان كوميول على لا فان بور فوار سكو جي ريكولتي سكو لا دوني سادير كومبيان نورمال دو ليغوميي كو جي ريكولتي. Bon, il y aura des tomates, il y aura des concombres, il y aura de l'oignon aussi, maïs. J'essaierai de voir tout ce qui est normalement mûr pour le récolter. Voilà. Et donc, il y a cœur de bœuf. Cœur de bœuf, normalement, c'est une variété qui est ancienne, qui a un bon goût. La peau, elle est très fine. On peut la manger, on peut la croquer directement sans l'épulcher. دونك كيما قلت فان كور دو بوف نقدروا مثلا ناكلوها ديريكتومون بلا ما نقشروها، لان الجلفه ديالها رطبه مزيان وساهله
وكما كنقول لي ما فهي ما فيهاش الزريعه وزوينه بزاف. فانا عندي كور دو بوف فهي هذه، انا غادي نحاول باش نقرب باش تبان لكم، هي هذه فهي على شكل ديال القلب هنا غتبان لكم كاع حسن. وهنا عندي هذه طيبه، هادو طيبين هادو ان شاء الله غادي نحيدهم، ومن بعد ملي غادي نحيدهم غادي نعبر باش نشوف شحال الوزن ديال المطيشه اللي غادي نحيد من السطح في الاخر، يعني غندير المجموع في الاخر. اذا هذه كور دو بوف كاينه كوستوليتو دي فيورنتينو، دونك يا كوستيلو كوستوليتو جي ميكسكوز بور نورمالمون لو نون اي لي ان تي بو ديفيسيل ا دير. دونك كوستوليتو دي فيورنتينو دونك سي توماط ايطاليان دوريجين ايطاليان. Bon, son nom indique normalement qu'il est italien. C'est une tomate très productive. Je vais vous montrer normalement sur un autre pied, là où il y a beaucoup normalement, c'est-à-dire une belle production. Voilà, regardez là. Donc j'ai planté ce pied de tomate dans un pot où il y a un figuier. Un figuier. Normalement ce figuier il est planté ici depuis plus de 4 ans, donc je crois même c'est 5 ans. L'an prochain, Inch'Allah, je vais le dépoter, je vais le mettre dans un grand pot, ou bien normalement sur la terre directement, puisque normalement j'ai un champ, ou bien normalement j'ai un terrain de culture. C'est vrai, il est loin d'ici, c'est à 240 km de chez moi, mais peut-être normalement, je sais pas. Bon, d'ici là, d'ici février, je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà, c'est le pied de tomate de Costolito, des Fiorentino. Donc comme vous voyez, c'est une belle production. Voilà. Voilà la tomate, elle est là. Donc cette tomate, il peut peser, il peut atteindre de 200 à 300 grammes. Donc pour le cœur de bœuf, j'ai oublié de vous dire normalement qu'il peut atteindre de 500 à 600 grammes. Même des fois normalement 1 kg. Donc comme j'ai dit normalement pour la Costolito, c'est une très bonne variété pour les conserves. Voilà. Donc je vais continuer par une autre tomate. Peut-être je la cherche. La tomate normalement Marzano, la tomate Marzano, je l'ai ici, mûre, rouge, délicieuse. Donc ça c'est la tomate Marzano. Elle aussi normalement c'est d'origine italienne. Had la tomate, had matisha Marzano, ça y est l'origine d'elle ou là, yani سميتو ديالها يعني جايه من ايطاليا، بحال كوستوليتو اللي قلت قبيله، اللي هي كدير كثير تبارك الله، كتنتج كثير، وهي نورمالمون كتصلح بزاف للكونسيرفاسيون. هذه مارزانو، طوماط مارزانو، هذا طوماط مارزانو كتقدر توزن من 90 حتى 120 غرام، وهي من المطيشات اللي كتقدر مثلا تعطل يعني. تقدر مثلا ما تغرسهاش دابا ولا ما تقدرش زعما تخليها مثلا كتكون طاغيف اون كيلك سو يعني كتعطل فوالا طاغيف. دونك يا اوسي لا طوماط تومبرانو مارموند، لا تومبرانو مارموند فوالا. دونك سي سيل لا طوماط تومبرانو مارموند il peut atteindre de 200 grammes à 400 grammes. Bon, ce que j'ai lu ou bien ce que normalement j'ai trouvé sur cette tomate, qu'il peut être farci, voilà, il peut être consommé en sauce ou bien en salade. Qui m'a dit là, بأن هاد ماطيشة هادي فهي كتقدر توزن من 200 غرام حتى 400 غرام. هادي كتعمر كما كيقولوا المصريين او الشرقيين، الاخوان الشرقيين يعني كيدير بها المحشي، يعني كنقدروا مثلا نديروا فيها شي حاجه محشي، وفي نفس الوقت كنقدروا نديروا هذه الصوص يعني نطحنوها طحن، ولا نديروها في سلطه او لا شلاضه كوم انسولا ان سلاد. كاينه لا طوماط
la tomate اللي هي لا طوماط لا روما انا غادي نوريها لكم. انا كنحاول ما امكن نمشي لكم لي بي اللي هما طيبين اللي هما فيهم يعني ديجا حمراء باش تبان لكم. دونك هذه هي لا طوماط روما, هي اللي كنت قلت لكم على شكل ديال بوعوي ديال لو بوغ. دونك سي لا طوماط روما فوالا بون il est sous forme de grappe comme une tomate cerise comme vous voyez, c'est la tomate romaine, voilà. Bon, sa taille normalement c'est il est un petit plus grand que les tomates, que les cerisiers, que la tomate cerise ou bien la tomate ricelli, voilà, comme vous voyez ici. Elle est là aussi, voilà. Sinon, j'ai une autre tomate ici, pas encore mûre, mais plus belle en quelque sorte, voilà. Regardez, voilà, c'est sous forme de grappe. Elle est là. Donc ça, c'est un seul pied, un seul pied. Sinon, bon côté poids, il peut peser de 60 à 70 grammes, c'est ça, c'est la moyenne. On a aussi la ricelli ou bien la tomate cerise, en quelque sorte la tomate cerise rouge. Son pied, comme vous le voyez ici, il a atteint déjà normalement c'est les environs 3,50 m. C'est incroyable, mais c'est vrai, c'est 3,50 m. Je vais vous montrer une grappe, une plus grande grappe de cette tomate cerise. Regardez, voilà, ça c'est une tomate cerise avec une grappe, la plus grande grappe. Je vais montrer aussi des grappes qui sont mûres, regardez là, voilà. Tomate cerise, c'est la ricelli. Bon, le poids, qu'est-ce qu'on peut dire sur la ricelli, c'est une tomate cerise, tout simplement. Son origine, je crois normalement que son origine c'est l'Amérique latine, c'est l'origine de la tomate en général. Ben, la même chose pour la Roma, normalement son origine c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Sud ou bien l'Amérique centrale en quelque sorte. Voilà, donc une idée sur ce que j'ai planté. Bal arbia, cette tomate cerise ou la tomate mel karazia ou la matesha mel karazia, yani li hiya bhal hbal mlouk, sawa el mouqa diala ou la mouqtin diala al asli, el mouqtin diala al asli, c'est l'Amérique latine ou l'Amérique jenoubia ou l'Amérique wusta. كما شرحت كما بنت لكم في الفيديو, ف هاد لا طوماط هادي كدير عنقود بحال عنقود ديال العنب, بحال عنقود بون عنقود العنب, صافي دير ان غرام دو ريزان فوالا, دونك بحال عنقود العنب وتبارك الله حتى هي كتولد مزيان كما كيبان لكم هنا مطيشه وحده. ها هي راه تبان لكم بها. جي ان بروبليم دو بورتابل بوتيتر دي سباس. Donc vite fait, je vous parlais normalement des arbres fruitiers que j'ai. J'ai un olivier, voilà, où on voit des olives. J'ai une goyave, bien un goyavier, voilà, un figuier, tout ça c'est en pot. Un grenadier, voilà, des fruits. Bon, la hauteur, comme vous voyez. Ça c'est un kumquat. Bon, il n'est pas en forme mais tout de même. Ça c'est un prunier, voilà, toujours en pot. Un abricotier, voilà, un avocatier aussi. Là je l'ai planté, c'est à dire moi-même comme noyau au début, voilà,
pas noyau. Là, c'est un autre figuier, voilà. Ça, c'est un, je crois normalement, c'est pêche. Bon, je sais pas. J'ai pas vu de fruits, donc il n'est pas encore donné de fruits. Là, c'est normalement un guyavier ou bien fidjouya, on l'appelle fidjouya, voilà. Bon, comme vous voyez des roses, un rosier rouge. Bon, là c'est un avocatier aussi. Là c'est chèvrefeuille. Bon, vous voyez une bête moutarde. Là c'est un type. Voilà, je serai vite. Donc là c'est un pêcher. Bien, roja, ça sera du coup. Voisine. Un rosier de chez nous. Le word dire que c'est Mkuna. Ben ça c'est lime, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais c'est lime. La courge, et j'ai un petit problème sur cette courge, normalement il n'y a pas, les petites courges n'évoluent pas. Bon, ils meurent, je ne sais pas pourquoi, malgré que normalement si je leur donne de l'eau, bon je ne sais pas pourquoi. Si vous avez une idée, regardez, voilà. Là c'est un orocaria. Et là, c'est ma volière d'oiseaux. C'est ma volière, voilà. Les insectes, là, c'est de la courge. C'est de la courge. Grave. Bon, pour la récolte, normalement, je vais faire des photos tout simplement avec la pesée. Bon, ça sera la troisième récolte, la troisième pesée. Ça sera des photos. Voilà. Là, c'est ma terrasse, comme vous voyez. Donc, ça, c'est un petit gros, un goyavier aussi. Une autre variété de goyave, concombre, je l'ai oublié. J'ai aussi ici un concombre, je vais vous le montrer. Voilà, regardez. Bon, la variété, je la connais pas. Citron et un frisier. Donc, c'est tout. Donc, ça, c'est ma terrasse. J'espère qu'il vous a plu. Maïs, j'ai oublié, drap. Quand vous avez comme ça, il y a des questions. Merci à vous, merci. Et j'espère normalement, j'espère avoir plus d'abonnés. Aussi. Donc on va continuer. Donc après la récolte de la tomate, une belle ma pêche. Donc on va essayer de la voir, de la couper pour voir normalement chaque tomate, chaque variété de tomate comment il est. On va voir la chair, sa chair, les graines, et on va voir normalement pour la cœur de bœuf, comme je vous ai dit, normalement c'est bon pour moi, à mon avis c'est la meilleure tomate que j'ai là. Donc بالنسبة لهاد الكور دو بوف هي احسن مطيشه ديالنا. انا غادي نحاول باش نقطعها سير قدامكم. المره اللي فاتت قطعتها بهاد الطريقه. دونك لي كوبي كوم سا. maintenant je vais la couper de cette façon. voilà. pour faire un zoom sur la tomate. نحاول باش تخرج نطيشة من كذبة ديالها كلها مهبرة أو لا ملحمة يعني لاشات
ما كاينش الماء ما كاينش الزريعه ولا كيما كتبان لك عاد زائد بان القشره ديالها رطبه داكور دونك سا بو اي لي تري تري فين يا با دو غرين يا با دو يا با دو دونك سا سي كور دو بوف سا سي لا مارموند دونك خنو دونك جو فير لا ميم كو كوم سا Non, non, pas la peine. Tu peux la tenir comme ça. Mets-la dans la cuisine. Donc voilà, c'est la marmande. Donc, à nous. Vous voyez. Voilà. Donc, je passe à la Costolito. La Costolito, la variété italienne. Bon, ça forme. Vous la voyez, donc je vais faire la même coupe. Voilà, très juteuse, comme la marmande, entre nous. Mais il fait elle m'active, c'est-à-dire les graines de la plaine, elle fait les graines. Elle dit c'est la marzano, l'italienne aussi, d'origine italienne. هذه من الموقع ديالها من ايطاليا يعني هي الاصل ديالها من ايطاليا كما كتبان لكم انا كنحاول باش نقطع بنفس الطريقه تبان لاكوف تكون بحال بحال هذه لاغوما سو فورم دو بوا الى نفس القطعه وهذه سين فاريتي جي با دو نو سامبلمون جي با دو نو جو سي با كي فاريتي دونك سي فوز افي اون ايدي فو مي لو دير جو بار لا خيل فو طوماط جان كوتي ليدي اوسي بون لو شياو سي باتريك اوليفيي دونك سي فوز افي اون ايدي سور لا فاريتي دو طوماط سي فو بوفي مي لو دير سيل فو بلي بار كومونتير فوالا دونك جو في راكوتي Elle est petite, ronde, bon, pleine de graines, et j'ai tout aussi. Voilà. Pour le goût, la marmande, elle est acide. La cœur de bœuf, bien sûr, elle est sucrée. Celle-là aussi, elle est sucrée. Voilà. Donc, c'est ça, les variétés de tomates que j'ai. Merci. Merci à vous. Donc, j'attends vos commentaires.